c'est Mathieu Gertin, numéro 15 des Ducs d'Angers. Ce soir, gros match contre Nice. Je crois qu'après une belle victoire contre Rouen, on doit poursuivre sur notre lancée. Le dernier match, on a super bien joué. On a fait un bel effort collectif en équipe. Et ce soir, on doit répéter. Nice, c'est une équipe qui travaille très fort. Je pense qu'ils ont besoin de points en ce moment pour rester dans le championnat. Rester compétitif dans le championnat, donc c'est à nous de se présenter. C'est sûr que ce soir, il manque Robin Gabory aussi. C'est un gros effectif qui va manquer. Mais les gars vont travailler fort pour aller chercher un gros 3 points ce soir. Pour ce qui est de mon cas, j'ai reçu une mise en échec au centre de la patinoire au dernier match contre Rouen. C'est tout mon genou qui a encaissé le choc. Où ce que j'en suis présentement, c'est j'ai rencontré les docteurs hier. Et je dois attendre une période de 15 jours pour avoir mon IRM. À partir de là, on va en savoir plus par rapport à ma blessure. Présentement, je suis arrêté pour une période d'à peu près 30 jours pour prendre les précautions nécessaires. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Pour mon petit mot de la fin, continuez à nous encourager comme vous le faites si bien à tous les matchs. C'est très important pour nous. On vous sent derrière nous, ça nous aide à bien performer et bonne année 2019 à tous.